Bonjour les amis, on est lundi matin, il doit être 8h30. Donc, vidéo dédiée aux frères de Brit, frangins de Brit. Donc voilà, donc l'électricité du garage a été faite. Faut que je finisse là-haut, là, j'ai deux, trois petites bricoles parce que il m'avait coupé le fil, donc il a fallu que je fasse ça en vitesse pour qu'il retrouve l'électricité. Mais faut que je fasse un truc propre parce que là, ça fait un peu dégueulasse. Donc ici, nous avons également posé hier, c'est pour ça que. Donc posé hier, le portail. Voilà, comme ça elle rentre la voiture. Voilà, ça ferme. Impeccable. Ici, on va faire fermer, bien évidemment. On attendait qu'il pose le portail, voir comment on allait s'organiser. Voilà, donc ici, moi, j'avais laissé beaucoup plus de fil parce que je savais pas trop où allait le moteur, il m'avait pas dit. Pas dit, elle est bonne celle-là, pas dit aujourd'hui. Donc là, maintenant, je vais recouper, hein, et je vais lui mettre propre ici pour qu'elle puisse qu'elle fasse propre, quoi. Ensuite, voilà, la lumière qui s'allume. Donc voilà pour le garage de Brit. Donc je ressors, hein, je ressors, je ressors. Voilà. Donc ici, comme vous allez le voir là, bon, il m'avait fait un truc ici, là, de travers. Donc hop. Donc Michaud revient, le Michaud 2. Il revient, je lui dis tu me fais ça droit parce qu'on paye pas pour les trucs de travers. Donc il va me refaire propre tout ça là. Voilà. Et voilà pour la maison de Brit. Hein. Donc mon café. Hé hé. Et voilà, c'est Trump. Donc voilà, donc vous allez peut-être pas voir, il y a un petit peu de blanc au fond, c'est la maison de Bernard II. Donc le monsieur des fenêtres va venir aujourd'hui prendre toutes les mesures. Comme ça, dans 10 jours, les fenêtres sont posées. Vous voyez, là, c'est là pour refaire le petit muret. Il est parti chercher du bois. Donc là, je lui laisse le garage ouvert parce qu'il va avoir besoin d'électricité. Que dire. Donc le tas de terre ici, là, on attend parce que Steve doit revenir. Bon, comme ça, un homme qui a un peu pris et puis on a des choses, il a des choses à faire. Donc quand il reviendra, toute cette terre-là, on va la prendre. Voilà. Et on va la mettre sur la Skeptic Tank qui est ici. Voilà, pour que ça soit tout recouvert de terre, que ça soit propre. Voilà. Donc le petit escalier. Il faudra qu'il me fasse aussi le Chpokovka, là, le blanc. Voilà. Donc l'abri-bois que Stoyan a fait, qu'il a peint avec son nouveau pistolet à peindre. Il est très fier de son pistolet, Stoyan, c'est très bien. Ici, vous avez Internet, le petit boîtier gris là. Voilà. Et puis, ben, je crois que c'est tout pour cette vidéo du lundi matin. Voilà. Donc aujourd'hui, on va retourner chez chez Chanchan, parce qu'il lui faut encore une porte. Donc on va refaire une porte donc chez Chanchan. Donc chez Bernard, il va falloir commander les fenêtres et portes. Chez Jean-Louis, comme il y a 15 jours, 3 semaines de délai, on va aller commander la porte de garage pour qu'il puisse quand même fermer son garage. Ah, et puis nous, bah, moi je suis à l'atelier. Hein. Hier, bon, bah, ils m'ont appelé pour le garage là. J'ai commencé à bosser un peu et après, j'ai arrêté parce que j'avais plus envie. Puis je fais ce que je veux. C'est l'avantage. Donc voilà, on va mettre une petite cheminée dans la. Comment ça s'appelle? Dans l'atelier. On va mettre un. Voilà, pour brûler le bois, pour chauffer l'hiver quand on voudra travailler, parce que je pense qu'on aura moins de travail cet hiver. Voilà, donc on va s'essayer à des choses. On attend Yanko, parce que Yanko est un soudeur. Donc on va voir qu'il nous fasse le petit portillon là, déjà dans un premier temps. Voilà. Je crois qu'il doit plus se rappeler qu'il doit venir à la maison. Voilà.
le petit portillon là en métal, et après on verra pour faire le grand portail ici. Voilà les amis pour aujourd'hui, pour ce lundi matin. Si, alors Bernard, un petit message pour toi également. J'ai commandé la toiture, tout arrive aujourd'hui. Donc les gars, ils vont commencer aujourd'hui la toiture. Donc effectivement, elle sera finie normalement. Je pense lundi prochain, elle sera terminée. S'ils prennent un jour de vacances. Ensuite, j'attends qu'on me rappelle là, parce que je commande la toiture pour Pascal également et Jean-Louis, pour Paddy et Jean-Louis, pour faire la toiture de leur du garage de l'atelier. Ça va être une petite journée aujourd'hui, c'est bien. Hein, c'est très bien. Voilà, on fait comme ça. Allez, je vous embrasse les amis, je vous aime. Éclatez-vous cette semaine. Hein. Faites ce que vous avez envie, ne laissez personne vous dire que c'est pas possible. Tout est possible dans la vie. Quand on veut, on peut. Voilà. Et puis, je vous embrasse. Allez, ciao.